installez-vous pour écouter l'histoire de grand-père Nathan. Il a été enseignant toute sa vie et il aimait vraiment son travail. Maintenant qu'il est vieux, il n'a que des souvenirs et des histoires. Le souvenir le plus amusant dont je me souviens maintenant, c'est quand Mike, le plus grand coureur de jupons de l'école, a vu la nouvelle fille et a décidé de la draguer directement. Le meilleur coup de Mike était d'envoyer des mots d'amour. Il pensait que le chemin vers le cœur d'une femme passait par des mots doux. « Chaque fois que je te vois, c'est comme si je ne pouvais plus respirer. Mon âme chante quand tu entres dans la pièce. » C'est ce que disait la note. Les sentiments de Mike lui ont fait perdre un peu la tête et oublier sa place. Parce que Mademoiselle Maggie est la nouvelle prof et la collègue de Nathan. C'était une vraie dure à cuire. Et elle a immédiatement remis le jeune Roméo à sa place. Elle a passé le reste du cours à faire une analyse grammaticale de son mot d'amour. Mike n'a jamais oublié cette leçon, ni Mademoiselle Maggie, ni la grammaire. Cette histoire fait toujours sourire le vieux Nathan. Comme toutes les autres histoires douces et drôles dont il se souvient. En voici une autre. C'est arrivé à Lola. Elle était très populaire dans notre école. Parce qu'elle était très intelligente. Mais c'était aussi une célèbre influenceuse. Personne ne manquait jamais ses live streams. Et par souci d'équité, même Nathan les regardait parfois. Mais Lola avait un petit problème. Elle aimait vraiment se vanter. Et une fois, sa camarade de classe Kylie a remarqué qu'elle était en direct d'un examen. Elle a copié toutes ses réponses. Jackpot pour Kylie. Mais Lola a eu des problèmes. Nathan a dû discipliner l'influenceuse et la virer de l'examen pour avoir enfreint les règles. La célébrité causait des ennuis à Lola. Mais elle n'était pas trop vexée parce que son test était sans faute. Kylie a eu une note parfaite. Et Lola a réussi son examen aussi. Donc nous pouvons être sûrs que cette histoire a une fin heureuse. Oh, c'était une journée intéressante. Mike était vraiment impatient de finir l'école. Il avait super faim parce qu'il a dormi pendant le petit-déj. Et dès que la cloche a sonné, il a commencé à courir pour aller manger. Ce jour-là, Mike a couru si vite jusqu'à la cafétéria qu'il a pulvérisé le record du sprint universitaire. Puis, plus tard, aussi parce qu'il avait faim, Mike a rejoint l'équipe de sprint de la ville. Et à l'université, il est devenu une star. Nathan avait des élèves très talentueux. Et il est tellement fier d'eux aujourd'hui. Talentueux et au grand cœur. Ce n'était pas vraiment un jour très spécial. Juste un jour normal, plein de cours et de notes, et de lunettes cassées. Nathan ne pouvait pas s'en payer de nouvelles. Ouais, ça aurait été un jour normal. Sauf si l'un des étudiants, au moment où il distribuait les devoirs, n'avait pas remarqué les lunettes cassées du professeur. Et sans même y penser, lui a donné les siennes. On pourrait penser que Nathan ne l'a pas vraiment remarqué sur le moment. Mais croyez-moi, il n'oubliera jamais cet acte de gentillesse. Tant d'histoires. Certaines d'entre elles étaient assez drôles. Les élèves étaient vraiment précieux pour Nathan. Une fois, pendant un examen, Nick, le fils du principal, n'était pas d'humeur à le passer. Il avait une idée pour y échapper. Si jamais il ne voulait pas passer un test, il écrivait simplement sur la feuille qu'il était le fils du principal. Mais ce jour-là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Kylie, l'élève la plus intelligente que Nathan ait jamais eue, n'a rien trouvé de mieux que de copier sur la feuille de Nick. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a écrit, qu'elle était le fils du principal. Donc elle a été choquée quand Nick a eu un A, par erreur, et qu'elle a eu un F. Nathan a dû avoir une conversation avec elle. Pour commencer, le principal n'a qu'un seul fils. Ensuite, elle ne peut pas être le fils du principal. C'est une fille. C'était stupide. On dirait que Nathan ne sera jamais à court d'histoire. Tu ne t'ennuies pas encore, n'est-ce pas? En voici une autre. Une fois, pendant un cours, le stylo de Nick n'avait plus d'encre. Et rappelez-vous, Nick est le fils du principal. C'est une situation normale, non? Il a demandé à aller à son casier pour chercher un nouveau stylo.
Vous n'avez pas idée à quel point les casiers sont différents. Par exemple, le casier de Marvin était parfaitement organisé. Trouver quelque chose dedans est super facile. Mais le casier de Nick, il était tellement en désordre que vous pourriez probablement trouver un chemin vers une autre dimension à l'intérieur. C'est la seule explication pour savoir d'où viennent tous ces trucs. Et ce désordre est juste à côté du casier parfait de Marvin. Personne n'a vraiment remarqué Marvin à l'école. Mais des années plus tard, Marvin est devenu un célèbre scientifique. Bref, où en étions-nous? Oh oui, Nick et son stylo. En fait, ce jour-là, il n'a même pas trouvé de stylo qui fonctionne. Oh, n'allez pas croire que Nathan ne savait pas s'amuser. Quand il était jeune, il savait faire la fête. À l'époque, il faisait partie d'un groupe qui était très populaire en ville. Truman Bonds. Le pauvre Marvin le voyait dans ses cauchemars. À part ça, il ne faisait que rêver de Lola. Croyez-moi, Nathan était une personne tellement intéressante qu'il apparaissait tout le temps dans les rêves de Marvin. Nathan a seulement découvert ses rêves plus tard, par le thérapeute de Marvin. Nathan avait un étudiant particulier, à qui il ne peut pas penser sans sourire. Il y a eu un étudiant dans notre école qui s'appelait Mitch. Il était célèbre pour sa cupidité et son avarice. Mitch n'apportait jamais rien avec lui. Il demandait juste des choses à ses camarades de classe. Ce qui est dingue, c'est que personne ne pouvait jamais lui dire non. Il demandait tout le temps les affaires des autres et embêtait tout le monde. Mitch n'est pas resté longtemps dans notre école. Son comportement grossier ne convenait pas. Et il tapait vraiment sur les nerfs de tout le monde. Et à un moment, quand les gens ont commencé à demander à récupérer leurs affaires, il ne les a même pas rendus. Il a juste oublié qu'il les avait. Donc il a été expulsé. Ne vous inquiétez pas, Mitch est devenu un courtier plein aux as, même s'il n'a jamais fini l'école. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui était encore plus grossier que Mitch. Il y avait un type qui adorait embobiner les autres. Pour Tony, le mensonge était comme un sport de compétition et un business. Il avait des antisèches pour tout. Mais son business n'a pas duré longtemps. Nathan l'a arrêté, plus d'une fois. Est-ce que ça l'a empêché de mentir? Non, son réseau criminel a continué à s'étendre. Il y a eu un moment intéressant où... Mike a commencé à accumuler des choses. Il avait tellement de choses. Et d'une manière ou d'une autre, il les avait toujours avec lui. Une fois, Lola lui a demandé en plaisantant s'il avait un masque de cheval. Et tu vas pas le croire, mais il l'avait vraiment. C'était effrayant et hilarant à la fois. Heureusement, cette période de la vie de Mike n'a pas duré longtemps. Le vieux Nathan est là depuis longtemps et il a eu une vie très intéressante. Une fois à la retraite, il a commencé une nouvelle vie. Nathan est retourné à ses racines musicales. Et vous devriez aller voir son concert. Qu'as-tu pensé des histoires du vieux Nathan? Quel élève as-tu le plus aimé? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.